Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la chasse au trésor. Nous allons en Inde aujourd'hui, dans cet immense pays. Vous voyez, Paris est là-bas, l'Inde c'est ici. Je vous situe la région où nous allons, qui est le sud de l'Inde. New Delhi, la capitale, est au nord. Bombay, la grande ville industrielle, le grand port, est là. Calcutta, l'ancienne capitale, qui est aujourd'hui la capitale du Bengale indien, est là. Et nous allons à Mysore. Alors c'est écrit M-Y-S-O-R-E. Moi je prononcerai Mysore, mais il paraît... parce que j'en ai entendu parler qu'on dit Mysore, c'est là où il y a des processions. On va tout de suite demander à Philippe de Dieu le veut. En tout cas, nous allons dans cette région du sud de l'Inde, riche comme tout le pays, qui est extraordinaire, en trésors architecturaux, historiques. Vous savez que ce pays a une histoire chargée, très importante et lourde d'événements. Alors, je vais tout de suite appeler Philippe de Dieu le veut. D'abord, Philippe, bonjour. Est-ce qu'on prononce bien Mysore? Bien, vous avez raison, je vous écoutais. On présente Mysore, Mysore, Mysore. Hein? Mysore, Mysore. Mysore, c'est mieux d'ailleurs. C'est encore mieux. Nous sommes donc dans l'état de Karnataka, au sud de l'Inde, vous le disiez. Et je suis exactement donc, par rapport à la ville, eh bien je suis au sud-est de la ville, près de l'hippodrome. Je ne sais pas si vous voyez l'hippodrome West Coast, sur votre carte peut-être, au sud-est de la ville. Alors attendez. On le cherche, Philippe. On le cherche. Vous le voyez? Sud. Voyez-vous sur votre carte l'endroit où je me trouve? Oui, mais vous inquiétez pas, on va le trouver. D'accord. En tous les cas, je suis dans un cimetière. Il n'est pas courant de démarrer une émission à partir d'un cimetière, mais c'est pourtant dans un de ces lieux que je me trouve. Et dans celui-ci, eh bien, 25 Maharajas y reposent avec leur famille. Et uniquement avec leur famille. Les premiers sont là, si je puis dire, depuis le 14e siècle. Et le dernier Maharaja qui est arrivé dans ce cimetière, c'est en 1974, car depuis quelques années, ce privilège est aboli. Nous allons rejoindre l'hélicoptère de l'Indian Air Force avec Jean-Yves Le Ménère et Bruno Delatte. Je vous donne la parole, on se retrouve tout à l'heure pour le chrono. Merci Philippe, tout va bien, je crois qu'il fait très beau. Marie-Thérèse Cuny, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Je vous présente les candidats. Ce sont des candidats suisses, Pierre Alain et Madeleine. J'aurais dû dire Madeleine et Pierre Alain, ça aurait été plus courtois. Vous êtes de quelle ville? De Morges. De Morges, c'est-à-dire près du lac Léman? Oui, c'est entre Lausanne et Genève. Entre Lausanne et Genève. Vous êtes natif d'un canton bilingue. Oui, du canton de Fribourg. Du canton de Fribourg, voilà, mais vous parlez français. Est-ce que vous comprenez l'anglais? L'anglais, un petit peu, je le comprends, oui. Ça va. Pierre-Alain, bon, vous êtes allé en Inde? Pas encore. Vous êtes intéressé à l'Inde? Ah oui. Bon, oui. Parfait, vous avez une petite fille, je crois, et vous êtes pharmacienne, et vous, Pierre-Alain, ingénieur. Voilà, écoutez, nous sommes tous prêts. Je vous rappelle que vous avez 45 minutes pour trouver 3 énigmes et donc 3 trésors, que les primes sont substantielles, vous le verrez progressivement. Je vais demander à Philippe de Dieu le veut s'il est prêt et si son équipe est prête pour démarrer le chronomètre. Philippe? Eh bien, pour démarrer le chronomètre, je suis prêt et nous dépêchons pour rejoindre l'hélicoptère. Alors attention, grand moment, nous démarrons pour la première énigme. Philippe, attention, je prends l'enveloppe, top chronomètre. Ok. Voilà, je distribue rapidement cette énigme. Vous la garderez sous les yeux et nous allons la lire ensemble. Alors, c'est toujours le grand moment de suspense, la première énigme. Elle vaut 800 francs suisses et je la lis. Quand Philippe aura touché la main d'un des animaux qui se trouve près de la monture de Shiva, vous aurez gagné. Philippe, je relis pour vous l'énigme et pour tous nos téléspectateurs. Quand Philippe aura touché la main d'un des animaux qui se trouve près de la monture de Shiva, vous aurez gagné. Bien compris? Oui, j'ai compris. Parfait. Shiva, ça vous dit quelque chose? Pour le moment, pas. On va voir. Bon, on va chercher dans la documentation. Alors, ça peut être une statue d'un ancien Maharaja ou d'un... Oui, Shiva, Vishnu, Brahma, voilà. Ce sont... bon, c'est connu, voilà. Hein, ce sont des divinités de l'hindouisme. Alors, vous avez souligné Shiva. Hein, donc oui. vous commencez votre recherche sur Shiva. On va commencer à voir Shiva. Où se trouve la monture de Shiva. De Shiva. La statue et éventuellement la monture. Hein. Et vous, Pierre-Alain, vous êtes parti sur quel type de recherche? Je suis sur Karnataka, Mysore, ouais. Relativement Mysore. D'accord. On va voir ce qui se passe. Donc l'un cherche sur la ville de Mysore, qui est derrière nous sur cette carte, et Madeleine cherche sur le nom de Shiva. Philippe? Oui, je vous écoute. Voilà, j'arrive à l'hélicoptère. On va trouver nos deux pilotes. Tu l'envoies peut-être? On est bon devant, on recherche. Bon, ben. Alors on est en train de rechercher de la documentation sur Shiva.
Oui. C'est Madeleine qui fait cette recherche et Pierre-Alain cherche de la documentation sur la région de Mysore. Alors, Shiva, hein, ça je crois que tout le monde le sait, c'est une divinité de l'hindouisme. Comme Vishnu, comme Brahma, c'est la fameuse trinité de l'hindouisme. Alors on pourra peut-être chercher, pour ne pas perdre de temps, à Shiva ou peut-être aux différentes religions de l'hindouisme. Vous êtes où là? Regardez les tables. Voulez-vous que je décolle tout de suite? Oui, Philippe, vous voulez décoller? Voilà, je viens de décoller. On n'a pas de direction. On n'a pas de direction à vous donner pour le moment, mais vous pouvez vous tenir en vol pratiquement sur la région de Mysore. On vous donnera un cap sitôt qu'on sait. D'accord, mais si vous voulez, en attendant, je vais survoler le cimetière duquel nous avons démarré, qui est fabuleusement beau. Non. Vous n'avez pas trouvé Shiva? Non. Bien, là, vous n'avez pas trouvé Shiva. Allez, on va regarder la table, hein. Je crois que c'est la recherche la plus facile. Mais je vous le rends tout de suite. Un show complexe. Pouvez-vous me relire l'énigme, s'il vous plaît ? Oui, Philippe. Quand vous aurez touché la main d'un des animaux qui se trouve près de la monture de Shiva, vous aurez gagné. Et nous sommes plongés dans la documentation pour essayer de trouver des informations sur Shiva et sur la monture de Shiva, car je crois que les deux mots sont importants. Hein. La monture de Shiva. Ouais. Tu as trouvé? Non. Mais c'est sûr, c'est la monture de Shiva. Ou alors regardez à religion, car Shiva, je vous le dis, hein, c'est l'une des divinités de la religion hindouiste et toutes les recherches doivent être menées. Vous êtes en vol, Philippe? Je suis en vol, je suis au-dessus du cimetière, donc j'attends vos ordres. Si vous pouviez me donner une direction à prendre ou une question à poser, Pierre-Alain. Je pourrais à ce moment-là essayer de trouver quelqu'un. Oui, on cherche toujours ce que c'est que cette monture de Shiva. Mais je pense qu'en vol, on ne peut pas vous donner de réponse pour le moment. Regardez dans l'histoire peut-être des... Regardez, il y a toujours dans les guides, au début des guides en tout cas, des résumés hein, sur... Alors là, je vous ai aidé parce que moi, je me souvenais que Shiva, c'était une divinité de l'hindouisme. Et on pourrait peut-être chercher dans les religions... Non, ne vous égarez pas, hein, les animaux. Bon, la monture de Shiva, tant qu'on n'a rien trouvé sur Shiva, je crois que c'est pas la peine de chercher. Vous n'avez rien sur les religions, Pierre-Alain? Non, je suis en train de regarder le plan. Voilà, Shiva. Alors, je vous laisse. Tu lis? Non. Alors, ne lisez pas tout, essayez de trouver rapidement des informations qui se rapportent à l'énigme. Destructeur, on nomme Shiva le destructeur. Créateur, alors... Allez-y, vous pouvez lire tout haut, hein, c'est pour... Bronze ou haut relief, le montre pourvu de 4 à 8 bras pour exprimer son universelle puissance. Dans ses multiples mains, brandit des armes destructrices, flammes dévorantes, objets masse ou hache d'armes, conque de l'appel à la prière. Alors, la femme de Denis. Sa monture, son Vahana. Attendez. Sa monture, son Vahana et Nandi, le joyeux, un taureau. Ah! Alors, déjà, on a trouvé que c'est un taureau. La monture de Shiva est un taureau. Un taureau qui symbolise les forces de la puissance génitrice soumise à son maître. Maintenant, on doit trouver des animaux qui sont près de ce taureau. Hein. Et où est-il ce taureau? Alors. Attendez, relisez bien la phrase. Madeleine va vous relire la phrase complète. Sa monture, son Vahana et Nandi, le joyeux, un taureau qui symbolise les forces de la puissance génitrice. Soumise à son maître, explosion des forces et domination de l'instinct. Ben, alors, Nandi, il faut peut-être trouver... Nandi, c'est peut-être important comme mot, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est peut-être le nom. Le nom de la monture. De Shiva. Et une fois qu'on connaît le nom, peut-être que vous pourrez demander à quelqu'un s'il connaît cet endroit où se trouve cette monture. On s'interroge, Nandi. Quel est le nom de la monture, si dit le cas? Ben écoutez, on s'interroge, ce serait Nandi, N-A-N-D-I. N-A-N-D-I.
NANDI, ce serait le nom de la monture. Bon, c'est un donc, succès. Je me pose pour essayer de trouver ce renseignement. C'est ça. C'est un succès d'écrit. Je vous propose de me poser. Je vais essayer de trouver un renseignement, quelqu'un qui pourrait me dire où se trouve donc tout à ce taureau. Dandy. Pierre-Alain, donnez des instructions précises, Philippe. Philippe. On va sûrement trouver quelqu'un. Oui, je vous écoute. Vous atterrissez, comme vous l'avez dit, vous cherchez quelqu'un. Vous leur dites qu'on cherche la monture de Shiva qui est un taureau. Et s'il connaît un temple ou un site où ça peut se trouver. C'est clair? Et donc, oui, d'accord. Nandi. Elle s'appelle Nandi. Et la monture s'appelle Nandi. S'appellerait Nandi. D'accord. On n'est pas sûr pour le moment. Bon, écoutez, là, je suis sûr. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est un restaurant, un hôtel ou une maison particulière, en fait, une maison de propriété. Alors, Philippe, regardez, Philippe surveille toute cette région. Moi, je me dis que c'est mon ami Chou. Oui, oui. Mais il est parti de là, donc il survole cette région là-dessus. Où est-ce que vous vous trouvez, Philippe? Écoutez, je suis à l'écart de la ville de Mysore et je suis actuellement. On va pouvoir se poser, les pilotes font le nécessaire. On se pose près d'un magnifique palais. Un magnifique palais et je pense trouver quelqu'un qui pourrait me renseigner. Donc je vais demander où se trouve Nandi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le Nandi. Le Nandi. Vous êtes au sud de la ville, c'est ça? Je suis au sud de la ville, sud-sud-est. Plutôt à l'est même. Je suis à l'est de la ville. D'accord, bon, d'accord. Oui, okay. Dans d'accord. Cette région-là, il a survolé cette région. Oui. Alors écoutez, là on peut pas se contenter d'avoir trouvé ce qu'elle m'a dit parce qu'on ne va pas l'aider. Alors il faut localiser l'endroit, regardez à Mysore, à mon avis. Ouais, à Mysore. Excusez-moi, il y a beaucoup de pain. Regardez. Nandi, that's right. What is Nandi? Nandi is where diamond is. Where? Diamond is. And what is it? It's an animal? Yeah. What kind of animal is? Cherchez. Philippe fait sa recherche. Ah, attendez, je vais te prendre la maison. Il nous dira ce qu'il a trouvé. Je vais vous aider. C'est mon rôle. Je ne connais pas l'énigme, je le répète pour tout le monde. Mais c'est mon rôle de vous aider. It's far from here. It's far. Je vais essayer de trouver une confirmation. Écoutez bien. Mister, excuse me. Do you know where is Nandi? C'est bon, Philippe. C'est bon, c'est un taureau, ça va. Continuez. D'accord, on y va. Par là, this way, ok. Écoutez, il y a 3% des gens en donnant un coup par l'anglais, il est tombé sur quelqu'un qui parle anglais. Philippe, vous savez dans quelle région ça se trouve? Écoutez, je ne voudrais pas perdre de temps, je redécolle tout de suite. Ces gens sont affirmatifs. Il existe donc un animal qui serait un taureau et qui s'appelle Nandi. Il montre la direction. We go to this way, please. Okay. Vous pouvez pour nous préciser, Philippe, précisez-nous pour nous la direction. Quelle direction allez-vous prendre? La direction serait plein sud. Parfait. Philippe, donc, prenez le monsieur qui vous a donné l'information avec vous dans l'hélicoptère, si c'est possible. Ah, écoutez, je suis désolé, je viens de décoller, je ne l'ai pas pris, tant pis. Je n'ai pas voulu perdre de temps. Donc écoutez, on a bien compris, regardez Pierre là. Il survolait cette région, il va descendre plein sud. Vous avez décollé d'ici. Oui. Il va donc arriver dans cette région qui est une colline. Oui, Philippe. Oh, d'ailleurs, c'est marqué. Philippe, vous trouvez sur la carte Bull Statue. Écoute, vous voyez la réserve, c'est marqué Chamundi Reserve Forest Temple. Voilà, je vois Chamundi Hill. Et c'est la direction qu'ils vont Chamundi, et oui, c'est marqué Bull Statue au nord-ouest. À 10 heures. Au nord-ouest. Au 300 degrés du centre de la forêt, c'est marqué Bull Statue. Attendez, je regarde sur ma carte. À 10h, à peu près la forêt. Je vois. Nous avons utilisé un peu plus de 10 minutes déjà. Ok, very good. Nous y allons. Alors, on relit l'énigme ensemble, parce que je crois qu'on est d'accord. Quand Philippe aura touché la main d'un des animaux qui se trouve près de la monture de Shiva. Bon, dès qu'il a trouvé la monture... Apparemment, il se dirige vers la monture de Shiva. Bon. Quand il l'a trouvé, il faut voir des animaux, on verra ce qu'il voit. Alors moi, je vous propose quand même de continuer vos recherches dans Mysore pour avoir des précisions sur ce Nandi ou cette Bull Statue qui serait la statue d'un taureau. Peut-être alors Chamundi... Bull Temple. On est sûr de rien tant qu'on ne l'a pas vu. This ancient Nandi Bull Temple was built by the city founder Kemp Gowda, 1537. Yes, mais traduisez pour tous parce que... C'est une statue de 11 pieds de haut qui est faite dans une seule pièce de granit, près d'accord. du temple du dieu Shiva, des dieux Shiva et Ganesh, qui ont aussi été bâtis pendant son règne. Très
près du temple de Shiva et Ganesh. Donc, Philippe, il s'agit d'une statue qui fait 11 pieds de haut. Donc c'est une importante statue, c'est un bloc de marbre monolithique. Ah, ça c'est des précisions très importantes. Oui. Vous pouvez peut-être la voir d'ailleurs d'hélicoptère. On ne peut pas l'augmenter. Écoutez, vous me dites qu'on peut la voir. Bon, je la vois actuellement, j'arrive là-bas. Je vois en effet un taureau, mais une énorme statue. Can you land, please? Can you land? Bon, essayez d'atterrir le plus près possible. Je demande au pilote si on peut atterrir. Vous trouvez des précisions supplémentaires. Maintenant, quand Philippe aura touché la main d'un des animaux. Hey, qu'est-ce que c'est que ces animaux? Alors maintenant, il doit y avoir. Where can you land? Where is possible? Philippe, just near the bull. If you can land just near the bull. Voilà. Please. Il voudrait se poser juste à côté de la statue, on comprend bien. Oh, please, quick. Tu n'as pas de photo du bull temple. Bon, vous aviez une photo, hein, ce serait formidable. C'est le cas. Oui, Philippe. Oui, je demande donc au pilote indien de faire le maximum pour atterrir, mais près de cette statue, qui est donc à flanc de colline, cela paraît très difficile pour un hélicoptère d'atterrir. Ah. Alors, il cherche actuellement un endroit. Problème. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Eh bien, écoutez, je suis là. Oh, please. Yes. Je leur demande d'essayer. Je crois qu'ils vont pouvoir essayer d'atterrir donc tout près de la statue. Formidable. Formidable. Attention. C'est parfait, Philippe. Une chose. L'énigme dit quand vous aurez touché la main d'un des animaux qui se trouve près de la monture de Shiva, vous aurez gagné. Il se peut que ce soit des espèces de divinités mi-homme, mi-animal. Alors il faut toucher une main. Écoutez, autour de la statue, je viens de voir un singe. Je ne sais pas si ce singe représente l'animal duquel je dois toucher la main. Mais pour l'instant, mon espoir de me poser près du taureau est annulé. Et les pilotes cherchent un autre terrain. Bon, écoutez, posez-vous le plus près possible et allez vers cette statue de taureau. Plutôt que vous voyez une statue avec une main plus ou moins humaine, vous touchez la main, vous avez gagné. Ah, vous êtes sûr? La main d'un des animaux. D'un des animaux? Moi, j'ai vu un animal vivant, moi, j'ai pas vu... Autour du taureau, j'ai vu un animal vivant. Je sais pas si c'est un singe après lequel je vais tout de suite courir pour aller toucher la main. Mais... Moi, j'ai trouvé... C'est une statue que je dois toucher? Ou un singe, Philippe? Je dis, j'ai vu autour du taureau un singe. Un singe? Oui, c'est peut-être ça qu'il faut que je touche. Ah, c'est peut-être ça? Je sais pas si c'est accepté, alors. C'est accepté. On sait pas. Non, je vais voir quelles sont les statues qu'il y a. C'est accepté, la main du singe, vous pouvez toucher. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a partout, hein. Philippe, qu'on soit bien au clair, vous touchez la main du singe et c'est gagné. C'est pas le seul endroit où il y a des nandis, hein. Mais on est très loin, là. À 60 km au nord, le site de nandis est aménagé. Sur 60 km, non, oui, c'est au Cap. Ah bon, ok, oui, d'accord. Il y a la raison, parce que le site consacré à la monture de Shiva, le taureau nandi possède deux temples, etc. Il y en a partout. Il y a peut-être plusieurs divinités, plusieurs sites. Maintenant, on est sur un divin. Mais je crois qu'il s'est marqué une statue sur la carte, je crois qu'on est pas mal cerné. Tout ce qu'il se trouve. J'espère le mieux. Drop me. Yes, you can, please. Oh, please. Because I am too far. I can't get the treasure. Je suis très, très loin. Il est en train de faire tourner. Il y a une voiture. OK. Il y a une voiture. Philippe, vous nous racontez en même temps ce que vous vivez, nous n'avons pas vos images, vous savez. J'essaie de redemander au pilote de vouloir me rapprocher, mais ils ne veulent pas atterrir. Please, Can you rent me your car, please? Can you? I want to go to the bull. Sorry, it's for a French TV game, you know. Can you? Yes, please. I want to go to the bull. 16 minutes découlées. Yes. Pour cette première énigme. Yes, please. Can you go with me? Yes, please. Can you? Oh, sorry. I can go with you. Non, Philippe, je crois qu'il doit être en bas du... We can go with you. Demandez des précisions. Mais Philippe, comment ça se présente? Vous êtes en bas de la statue, vous devez monter pour y accéder, ou comment est-ce que c'est? Je suis très loin pour l'instant, il faut que je trouve une voiture. Excuse me, sir. Donc, l'hélicoptère s'est posé, on le résume. L'hélicoptère s'est posé assez loin de la statue. Il a trouvé un véhicule, apparemment, c'est ce que je comprends, pour aller jusqu'à la statue qui est à flanc de colline. C'est pas... Oh, please, it's very, very... Espérons que c'est la bonne, d'ailleurs. I can go with you. Yes, I must go to Philippe, the le temps passe. Je sais que c'est difficile, mais le temps passe. Le pauvre. Nandi, it's a bull. Yeah. Yes, please, thank you. OK, on essaye.
Vous avez trouvé une voiture? Oui, et je force un petit peu la main de ces gens. Jean, si tu peux monter. Je monte. Ah, c'est toi qui es malade. Bon, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas d'autres possibilités dans cette région. À première vue, c'est la seule qui se trouve dans une enceinte de 20 km de la ville. Ok. Thank you very much. Il y a d'autres temples, mais qui se trouvent plus éloignés. Donc vous pensez que Philippe doit toucher la main d'un des animaux et il a vu, alors il l'a découvert. Il l'a vu, il a vu un singe. Alors un singe, ça joue. C'est la main. Ok, c'est la main. Il doit toucher la main. Il dit toucher la main d'un des animaux qui se trouve auprès de la monture. Auprès de la monture. Alors il y a des singes, d'après lui, il doit toucher la main d'un de ces singes et c'est gagné. On va attendre. C'est à lui l'exploit. Oui, Philippe. Didier Leca. Oui, oui. Didier Leca. Oui, oui, je vous écoute. Je suis actuellement donc dans une voiture qu'un couple indien gentiment m'a proposé de prendre avec eux pour aller jusqu'au Nandi. Enfin, je leur ai forcé un petit peu la main, mais ça va. Nous sommes donc tous les trois tassés derrière. Pouvez-vous me dire donc de quel animal s'agit-il? Quel animal il faut que je prenne la main? Parce que je vous ai dit que j'avais vu des singes donc vivants, mais vous m'aviez parlé de statues. Pierre-Alain va vous expliquer ce que... Alors, l'énigme dit textuellement, quand Philippe aura touché la main d'un des animaux qui se trouve près de la monture de Shiva, vous aurez gagné. Donc une main d'animal, il n'y a que les singes dans les vivants dont on peut admettre qu'ils ont une main. Alors il faut toucher la main d'un des singes et c'est gagné. Bonne déduction. D'accord. Il y a que et Philippe a vu il un singe. Il a vu un singe, ça doit être... Oui, vous cherchez la main d'un singe. Alors bonne chance au singe. Bon, pour l'instant, nous sommes toujours sur la route qui nous amène donc vers le Nandi. Vous n'avez rien trouvé de plus précis sur le Nandi, hein? Non. Là, on a un peu de chance. Bon, il y a différents temples où on en parle, où il y a des représentations du Nandi de Shiva. Tenez, moi, je trouve là, dans... À 60 km au nord, par exemple. Je trouve Nandi Hills, 278. On laisse Philippe continuer sa course, car c'est pas facile si du tout pour lui. Hein, vous l'avez bien compris. How old are you? What is your name? Nandi Hills. What is your name? 68 km au nord, oui, c'est ça, c'est le site de Nandi. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est trop au nord, là. Nandi, le taureau sur lequel se déplace Shiva, ce monument se trouve au pied de Chamundi. Voilà, j'ai même la photo, mais je ne peux pas vous la passer. Attendez, si, on va la voir. Oui, mais Philippe la verra pas. Non, Philippe la verra pas, mais vous pouvez la décrire. Philippe, c'est un taureau qui doit être en granit noir ou bleu très foncé. J'y arrive, je peux la décrire aussi comme vous. Je la vois, elle est devant moi, elle est à peu près à 30 mètres. Bon, écoutez, j'y vais, il faut donc que je touche la main d'un singe. Oui. Jean-Yves, je te laisse avec la voiture. Voilà, ce monument se trouve au pied de la colline de Chamundi, près de Mysore, capitale de Karnataka. Voilà, c'est dans la forêt, Chamundi, là, c'est bien. Alors Philippe, on est sur la bonne piste. Attendez, alors là, je vais vous demander de plus grand calme, il y a un singe, là, il y a un autre, je vais essayer de rapporter, je viens de ramasser une peau de banane, maintenant ils sont dans un arbre. Attendez. Bravo pour les bananes, attends. Philippe. J'ai une peau de banane, que j'ai ramassée par terre. Une peau de banane. Je vais monter, mais si je monte dans l'arbre, ils vont se sauver. Viens. Je trouve quelque chose sur ma vie, là. Imaginons Philippe a pris besoin avec la balade. Viens. Essayez autre chose que les bananes, les cacahuètes, peut-être. Essayez le sourire. Je suis dans l'arbre. Je suis dans l'arbre et puis j'essaie de les atteindre. Mais bien sûr, ils se sauvent. Tu veux pas une banane? Oh, aïe. Je vais quand même pas plonger. Pour en toucher un. Essayez de la poser, peut-être qu'il va venir la prendre. Oui, je vais essayer. Ce sont de tout petits singes. Oui, ce sont de tout petits singes. Attendez, je vais redescendre de l'arbre. Comme le singe. Maintenant qu'on sait comment est-ce qu'il est. Un monsieur me propose une sorte de papaye. Voilà. Ah non, il m'a pris la papaye, je ne vais pas toucher la main. Oh. Allons-en, please. Courage. Non mais ils sont payés par les producteurs, les singes, c'est pas possible. Please, come on. Peut-être vous imaginez la course de Philippe avec... Peut-être qu'il parle pas l'anglais, vos singes. Oui, mais est-ce que le fait qu'il ait pris la papa, on peut pas considérer que c'est gagné? Attendez, voilà un autre. Ah, l'énigme est précise, hein, quand vous aurez touché la main d'un des animaux, donc... Mort ou vif, le singe. Viens. C'est pas dit vivant. Viens. Ça
va être beau de voir les images. Bien. Il n'y a pas d'autre? Ici là-bas, il y a un petit là. Attendez. On est suspendu à cette chaise. Ce que je vais pas lui toucher la main, alors, mais quand il veut prendre la papaye, je lui donnerai peut-être un petit coup. En tout cas, moi je l'aurai touché. Et non, il s'envole, il s'en va là. Bon, approchez-le et touchez-le, je continue à lui montrer la liste. Bien. Bien. Il vient vers la papaye. Il vient vers la papaye. Ça y est, j'ai touché. Je l'ai touché. Bravo Philippe. Gagné. Bravo Philippe. Je crois que vous avez espéré en détail. Cette lutte contre l'armée claque. Philippe. Oui, je retourne un petit peu. Maintenant près du Nordique. Et fabuleux que Jean-Yves puisse le décrire avec sa caméra. En tous les cas, je vous assure, je l'ai touché. Alors, première énigme trouvée, premier trésor gagné, Marie-Thérèse Cuny. Oui, j'ai pas tellement de commentaires à faire sur la démarche logique des candidats pour l'énigme, parce qu'elle a été, je trouve, assez remarquable, extrêmement bien menée. Petit peu de temps perdu, mais enfin, ça, vous allez essayer de le rattraper, j'espère. Si on vous a parlé de Shiva et de sa monture, c'est que Shiva, c'est le grand dieu, le dieu suprême en Inde du Sud. Vous savez, c'est un dieu qui a un espèce d'œil vertical, comme ça, sur le front, qui est un espèce de troisième œil. Et dans la légende, on dit qu'il s'assied sur une peau de tigre, qu'il porte ses cheveux en chignon, il a des serpents enroulés autour du cou, et un croissant de lune qui orne ses cheveux, lesquels cheveux représentent le Gange, d'ailleurs. Alors, Nandi, qui est sa monture, c'est un taureau gigantesque, effectivement, en granit noir, qui est sur cette petite colline de Chamundi, et il a été taillé dans la masse en 1659. C'est vraiment un très, très, très beau monstre. Il a plus de 5 mètres de haut. Et alors, évidemment, à force d'être vénéré et de voir sur son dos galoper les petits singes chamailleurs, il a pris une espèce de peau très lisse et très noire qui le font ressembler un petit peu à une véritable statue de marbre lisse. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous donne tout de suite la deuxième énigme, mais bonne chance. Merci. Merci. Donc, 800 francs suisses empochés, emportés pour cette première prime. Nous allons demander à Philippe de démarrer son... Non, stop, on aimerait savoir où est l'hélicoptère et qui retourne à l'hélicoptère d'abord. Bon, attendez. Chaque chose en son temps. On va demander à Philippe de retourner à l'hélicoptère. Vous inquiétez pas, il va repartir. J'ai la deuxième énigme. Top chronomètre. Philippe, vous êtes prêt? Attendez. Non, écoutez, je suis prêt. Oui, on est toujours prêt, mais il faut que je retourne à l'hélicoptère. Please, we go to the aircraft, to the helicopter. Please, quickly. Bon, le chronotone... Philippe. C'est important. Philippe. Philippe de Dieu le veut. Vas-y, souhait. Yes, please. Philippe de Dieu le veut. Nous pouvons pas repartir. Yes. Philippe, oui, je vous écoute. Est-ce que vous êtes prêt à redémarrer? Je suis prêt à redémarrer. Votre chronomètre? Oui. Attention, top chronomètre. C'est parti. Philippe, vous êtes où exactement actuellement? Alors, je viens de quitter le taureau. Je lis cette énigme. Hein. Non loin de moi repose mon épouse. À côté d'elle, enfouie dans le sable, vous trouverez mon effigie. Et c'est signé Tipu, pays de PU, ou Tipu, sultan. Philippe, je relis l'énigme pour vous et pour les téléspectateurs. Non loin de moi repose mon épouse. À côté d'elle, enfouie dans le sable, vous trouverez mon effigie. Et c'est signé Tipu ou Tipu, sultan ou sultan, selon la prononciation. C'est la deuxième énigme qui vaut 1600 francs. Alors, on se lance dans les recherches. Non. Rapidement, alors je crois qu'il faut analyser cette énigme très simplement. C'est signé Tipu Sultan, il faut chercher qui est ce Tipu Sultan. Et ensuite, on essaiera peut-être de progresser. Non loin de moi repose mon épouse, repose mon épouse. Peut-être un temple. Ça doit être une déesse ou ça doit être peut-être un... Si elle repose, c'est qu'elle c'est un tombeau, une tombe funéraire ou enfouie dans le sable. Philippe, vous avez bien compris l'énigme? Non loin de moi. Oui. Non loin de moi. Non loin de moi repose mon épouse. À côté d'elle, enfouie dans le sable, vous trouverez mon effigie signée Tipu Sultan. Donc on cherche une effigie de type du sultan Tipu qui doit se trouver enfouie dans le sable. Qui doit se trouver à côté d'une sépulture enfouie dans le sable. Oui, mais non loin de moi repose mon épouse, Pierre-Alain. À côté d'elle. À côté d'elle. Enfouie dans le sable. Bon, à côté d'elle, elle, c'est l'épouse, non? Non loin de moi repose mon épouse. Enfouie dans le sable, vous trouverez mon effigie.
Donc l'effigie de Tipu Sultan se trouve... Oui. Les studios, j'ai de non, très loin de moi. Donc lui est aussi... Mais je rejoins l'hélicoptère. On doit aussi trouver son tombeau. Pour pouvoir rentrer en communication avec vous plus facilement. Il doit y avoir donc le sultan Tipu et son effigie non loin de lui. Et le tombeau enfoui de son épouse. Et le tombeau de son épouse. Bon, donc il faut chercher. Donc on cherche, Philippe, on cherche une sépulture d'un sultan qui s'appelle Tipu. Et il doit y avoir une de ses effigies non loin de sa statue probablement et du tombeau de son épouse. Oui, ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Cherchez Tipu Sultan, je crois que c'est le plus urgent. C'est le plus urgent. Cherchez dans les index, dans les tables, des guides. C'est souvent le plus rapide. Alors donnez des indications à Philippe. Il n'a pas redécollé, donc il peut peut-être se renseigner. Il arrive à l'hélicoptère. On remonte et on décolle. Non, non, non. Philippe, non, si vous voyez quelqu'un avant de décoller, demandez s'ils connaissent la sépulture du sultan Tipu ou Tipu. Il nous reste 19 minutes 30 secondes pour cette deuxième énigme, et même la troisième. Mais rien. Là. Ben, je crois qu'on va perdre du temps. Alors c'est bien, la tombe de Tipu Sultan, du sultan Tipu. Le studio. Oui, Philippe. C'est bien la tombe du sultan Tipu que je cherche. Exact. Voilà. Telle que nous avons décrypté, compris, analysé l'énigme et telle que nous l'avons comprise à cet instant, c'est effectivement la tombe de Tipu Sultan. Didier Lecain, thank you very much. Tu as vu, c'est Didier Lecain. Oui. Un monsieur gentiment m'a indiqué sur ma carte, au nord, au nord-est de la carte, il y a marqué Tipu's tombe. Tu vois, il y a marqué au nord-est de la carte Tipu's tombe, près de Ganjam. Ganjam. Bon, allez-y alors. Nous n'avons pas cette précision, mais Ganjam, nous juste voyons. Juste en dessous de Gumba. Si. Oui, c'est où c'est marqué Monument. Ah oui, mais ça, Monument, ça doit être marqué souvent. Hein. Oui, non, d'accord, mais enfin, peut-être que c'est ça qui est la sépulture. Alors, attendez, donnez des indications. Philippe, une question. Oui, c'est tout près d'une rivière qui s'appelle Kaveri. Oui, d'accord. Voyez-vous. Oui. On situe. Okay. Philippe, une question. Vous avez dit avant que vous étiez dans un cimetière au décollage. Au départ de l'émission, oui. Et que c'était... Mais au départ de l'émission, j'étais au sud de Mysore, et là, je suis actuellement, d'après l'indication que les gens me donnent, il faut que j'aille au nord-est. Alors, donc, Philippe, Philippe, est-ce que ce monsieur vous a dit exactement où était située la sépulture de Tipu Sultan? C'est ce qu'il savait. Ah, je suis peut-être parti un peu vite, mais j'ai sur ma carte Tipu Stamp. Bon, bon, cherchez, allez-y. Cherchez, pardonnez-moi, mais cherchez d'urgence où se trouve la sépulture de Tipu Sultan. Philippe, pour gagner du temps, dirigez-vous déjà vers ce lieu que vous avez. Oui, et rassurez-vous, si Tipu est un sultan, sa tombe doit être visible. Enfin, je pense, j'espère, je le souhaite. Tipu Stamp, ok? Thank you. D'accord, alors, vous prenez donc cette direction, disons, dans ce périmètre, Ganjam. En haut, je vois une localité qui s'appelle Srirangapatna. Et c'est ce cap qui a fait l'hélicoptère, j'ai essayé de faire l'escalade. C'est de poser mon hélicoptère jusque là-haut, mais j'y arrive pas. Alors voilà, je vous montre la direction. Ganjam, hein. Ganjam, oui, c'est près de la rivière Kaveri. Oui, oui, on l'a. Combien de temps de vol, Philippe? Écoutez, je pense qu'il y a maintenant de l'endroit où je suis. Alors, Tipu Sultan a été brûlé le lendemain. Vous avez quelque chose sur Tipu Sultan? Oui, sur Tipu Sultan, là. Il a été brûlé. Le sword, qu'est-ce que c'est? Is in the... In the Victoria... Bon, c'est tout ça. Of the Covery. Oui, Philippe.
Oui, Didier. Oui. Tout à l'heure, vous parliez du cimetière duquel j'ai démarré. Le cimetière duquel j'ai démarré, c'est un cimetière de Maharaja. Absolument. Je ne sais pas si un sultan peut être Maharaja. Je sais pas, Philippe. Vous nous en demandez beaucoup, ça m'étonnerait. Hein. Mais Philippe, ça a l'air juste. On est dans un guide, on est, je crois, sur la bonne piste. Oui. Donnez vos informations. En tous les cas, il doit y avoir des ponts sur cette rivière. C'est en relation avec ces ponts. On cherche son tombeau. Oui, hein, oui, sa sépulture. Oui. Mais il a vécu là-haut. Il a l'air d'avoir été tué là-haut. Tué où? Le guide. Le long de cette rivière. Le guide parle d'un pont sur la rivière. Comment, Pierre-Alain? Le guide parle d'un pont sur la rivière où il y aurait sa sépulture. Voilà. D'accord. Quelle rivière? La Covered River, c'est juste. Alors, elle a plusieurs bras. Hein. Alors, juste au sud de du canal. Oui. Is a very sacred Hindu temple. Il y a un temple sacré. At Sangam, on junctions of rivers. Donc, c'est juste. C'est à Sangam qu'il faut aller. La rivière doit être canalisée à la jonction du canal. Je pense oui, que là, au point marqué Sangam, juste en-dessus de Covered River, c'est là que ça doit se trouver. Sangam, Gumbaz aussi en face, hein, ça a l'air plus important. En tous les cas, Pierre-Alain Ivan Ned, oui, je peux vous dire que la personne à qui j'ai posé cette question et qui m'a indiqué tout de suite le nord-est de la carte, je peux vous dire qu'il semblait vraiment très affirmatif et il semble que c'était un quart de touriste. Et c'est peut-être donc une personne responsable d'une visite organisée, mais il doit très bien connaître les endroits, et en tous les cas, il est affirmatif. Je m'y porte, vous pouvez être sûr que c'est là-haut. Moi, je donne la main. Parfait. Pas de sage. Bon, alors essayez quand même de trouver des précisions sur la sépulture de Tipu Sultan, qui était Tipu Sultan. Oui, c'est ça, parce que bon, on en parle là, mais et puis, c'est dès pas que l'hélicoptère va pouvoir se poser, on va demander, vous allez demander à Philippe éventuellement. Vous trouvez quelqu'un qui pourra donner des précisions sur cette sépulture qui est peut-être très importante. Vous savez que les sépultures musulmanes, on peut imaginer que c'est pas une sépulture musulmane. Non, vous pensez que c'est pas un Maharaja, à mon avis. Vous savez que l'Inde a été occupée longtemps par les musulmans et ça peut très bien être de cette époque. Hein. Il n'y a rien sur Tipu Sultan, bien sûr. C'est quand même quelqu'un qui a compté dans l'histoire de l'Inde. Oui, mais là, ils en parlent, mais ils ne parlent pas de sa mort. Hein. Alors, j'en reviens le chronomètre, car le temps tourne très vite. Il vous reste 13 minutes 15 secondes. Madeleine et Pierre-Alain, avez-vous quelque chose de précis sur donc, la tombe de Tipu? Avez-vous des documentations que je puisse repérer du haut du ciel? Non. On n'a rien de plus précis, non? Madeleine et Pierre-Alain n'ont rien trouvé encore sur Tipu Sultan. Pour repérer de l'eau. Oui, repérer du ciel, c'est la jonction d'un canal. Mais c'est pas sûr. Et de la rivière, probablement. Oui, je vois bien sur ma carte. Je m'y porte, hein. Regardez dans les résumés historiques, peut-être aussi. Ou regardez à Tipu Sultan. Moi, je suis étonné que vous n'ayez rien. Sultan de Mysore, allié de la France. Il chassa les Anglais de Mysore, mais il fut tué en défendant Seringapatam. Tipu Sahib, Tipu Sultan, c'est le même. Sultan de Mysore, qu'il fut tué au 18e en défendant Seringapatam. Seringapatam qui est tout en haut, juste à côté. Oui. Philippe, ici, là, une bonne information. On trouve ici que Tipu Sultan, allié de la France, il chassa les Anglais du Mysore, mais fut tué en défendant Seringapatam. Donc ce qui est. Je suppose que c'est la même ville qu'on a tout au nord-est de la carte. Il y a plusieurs orthographes. Hein. D'accord. Comme dans toutes les. Alors rendez-vous par là-bas et demandez où est sa sépulture si vous ne la voyez pas d'avion. D'accord. Non. J'ai bien lu ce que vous avez trouvé sur le dictionnaire. Il a livré bataille à Srirangapatna. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il. Non, d'accord, mais. Ils sont enterrés. Hein. Mais Philippe a une information d'un guide de tourisme qui a l'air de connaître le pays qui dit que la sépulture est là-bas en haut. Donc vous voulez qu'il oriente son cap vers l'ouest? Non, nord-est. Non, on va pas. Non, il faut pas aller à Srirangapatam, il faut aller à la sépulture. Oui, mais où? Mais je crois qu'il sait. Ah, ça. Attention, hein. Bon, mais là, si vous comptez complètement sur lui, vous allez avoir des surprises. Hein. Faut lui donner des indications précises. Oui. Écoutez, oui, Pierre-Alain et Mathilde, j'arrive pour l'instant au-dessus de Cabery River. Je ne vois rien. Il faudrait qu'il aille dans le monument. Vous m'avez parlé d'un pont? Oui. Je vois des pistes de pont là-bas, mais un pont qui est détruit. Donc il a pris cette direction. Je continue à survoler la région.
Écoutez, il y a un endroit sur la carte où c'est marqué Monument. Ça peut être ça. À peu près au milieu Monument. Oui, je vois. Au milieu du delta. Vous savez, moi, je crois que si vous ne trouvez pas des indications, des précisions sur Tipu Sultan... Voilà, vous avez quelque chose? Pierre-Alain, cherchez Tipu Sultan. Dans les films, ça doit exister, non? Non, là, c'est sûr. Vous allez voir quelque chose sur Tipu Sultan. Dans les religions ou dans les aventures historiques de l'Inde, il s'est passé tant de choses. Alors, on a vu dans le dictionnaire, c'est au 18e siècle. Donc, c'est dans la lutte... entre les Anglais et les occupants musulmans. Je me pars, donc comme vous l'avez dit, vers le point indiqué Monument. Oui. Et dès que j'arrive au sujet, je pose pour demander des précisions. 10 minutes, il nous reste 10 minutes. Oh là là, le temps tourne très 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 vite. Vous êtes posé, Philippe, avec l'hélicoptère? Non, je ne suis toujours pas posé, Manette. Je me pars, donc vers le point que m'avait indiqué Monument. Et dès que j'y arrive, je vous dirai ce que je vois. Tenez. Heydar Ali et Tipu Sultan. C'est le père et le fils. Vous n'avez pas une documentation, une photo aérienne, quelque chose qui représente... Rien du tout. Tenez, moi j'ai trouvé la Tipu Sultan. Regardez, avec son père, s'appelait Heydar Ali. Heydar Ali, oui. Il avait deux fils. Seconde guerre de Mysore. Mysore. C'est qu'on n'a pas dans ma chou. Je peux encore juste contrôler dans le vieux guide. Là où le petit guide. Where is Monument? Where is please? Lequel? Le Najel? Non, l'autre. Oui, le Najel et l'autre. Ouais, merci. Je vous rends tout ça. J'essaie de vous aider. Philippe? Philippe, vous nous dites où vous êtes maintenant? Il n'y a rien sur son tombeau. Nous venons de décrire un cercle. Malheureusement, je crois que nos deux pilotes sont un petit peu égarés. Et ah, bah écoutez, Philippe, leur chemin. J'ai ici un temple qui s'appelle Sri Rangapatna Temple. C'est un temple un peu dans le style des temples de Hong Kong. Je ne vous reçois plus. Mais est-ce qu'il a un rapport avec Tipu Sultan? On va se répartir la documentation car... Ouh là là, 8 minutes maintenant, vous rendez compte, 8 minutes pour trouver deux énigmes. Je ne sais pas si on va y arriver. Tipu Sultan Palace. Alors, si je voulais pas Tipu Sultan... Lisez à haute voix, Pierre-Alain, lisez à haute voix. C'est en anglais. Vous essayez de nous repérer? Oui. Alors, Pierre-Alain, vous avez des indications? Oui, j'ai un truc sur le palais de Tipu Sultan. Oh. On cherche sa tombe, hein. Là on perd du temps. On cherche sa tombe, c'est ça? Il y a des tas de documentation sur les batailles qu'il a livrées. Sur sa mort, il est mort dans cette région, il a été battu à Shrinapatam. Bon. Mais Pierre-Alain et Maten. Oui. Pierre-Alain et Maten, oui. Je vous reçois très très mal. J'ai énormément de parasites, mais... je crois que les pilotes viennent de se repérer et nous allons maintenant donc en direction du point que vous nous avez indiqué. Nous sommes au-dessus de Cavalry River et nous passons actuellement au-dessus du pont détruit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui Philippe, on parle ici du palais du sultan Tipu. Oui. Et on dit qu'il est... Oh là là, moins de 7 minutes, moins de 7 minutes. Oh là là. C'est étonné qu'on n'ait rien trouvé sur Tipu Sultan, parce qu'apparemment il a livré des batailles contre les Anglais, son père était célèbre, c'est ce que dit le dictionnaire. Il est juste sur le front, souvent il est mort. Partout il parle de sa mort, mais ils disent pas où il est, où il y a son temps, où il est enterré. Qu'est-ce qu'il y a dans le Najel? Il n'y a pas une carte sur... Attends, je suis en train de chercher là. Peut-être à 3 km, Philippe. Oui. À 3 km, je ne sais pas encore de quoi, le parc de l'Albag entoure le mausolée d'Haider Ali et de Tipu. On y voit une église construite par le célèbre abbé Dubois.
Dans l'ouvrage « Mort institution et cérémonie des peuples de l'Inde », reste intéressant bien que marqué un certain nombre d'incompréhensions. Alors à 3 km, il faut que je voie juste de quoi. Le mausolée d'Haider Ali et de Tipu, l'Albag, et le palais d'été de ce dernier, Daria Daulatbag. Okay, c'est où alors? Daria Daulatbag, en haut de Ganjam, là. Bon, alors nous avons trouvé, Philippe, une indication beaucoup plus précise. C'est légèrement au-dessus de... On appelle ça Ganjam, ce lieu. Disons que c'est au-dessus de Gumbaz. Alors ce serait un ravissant et fragile bijou d'art persan, tout enluminé, où deux grandes peintures relatent dans un style naïf les épisodes d'une bataille que son père livra aux Anglais et qui recèle un petit musée. Oui, mais ça, c'est le palais. C'est le mausolée. Le mausolée. C'est le mausolée d'Haider Ali et Tipu. Un ravissant et fragile bijou d'art persan. Mais alors, c'est à l'Albag. Bon, alors attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monuments. Il y a un palais. C'est ça. Palais d'été, c'est ça, Pierre-Alain? Oui, palais d'été. Oui, à 3 km de l'Albag. On cherche la sépulture de Tipu Sultan. Pierre-Alain et Mathen, oui. Je suis donc au-dessus du monument qui semble être un palais grandiose avec des jardins autour dans lesquels nous allons pouvoir nous poser. Et je vois des tombes. Je vois des tombes qui entourent donc ce grand carré. Vous voyez des tombes? Oui, je vois des tombes. Alors, il faudrait... Philippe, il faudrait... Laissez-le se poser. Laissez-le se poser. Vous posez. Philippe, enfoui dans le sable, à côté de la sépulture de Tipu Sultan et de son épouse, vous devriez trouver l'effigie de Tipu Sultan dans le sable. D'accord. Can you land, please, quickly, please? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous? Pour l'instant, je ne suis pas encore posé. Oui, il y a quelques personnes, donc... Dans le temple, là, s'il semble un temple ou un palais, je ne sais pas. C'est une course contre la montre, maintenant. Il nous reste moins de 4 minutes, il faut aller très très vite. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui parle anglais et qui vous comprenne... Vous savez, Pierre-Alain et Madeleine, quelquefois nous avons des pilotes qui font le maximum et qui vraiment nous aident. Là, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas tellement le cas. On s'est perdu et on met un temps fou à se poser. Bon. Enfin, je vais faire le maximum. Vous vous posez, Philippe, et ensuite vous essayez de trouver quelqu'un qui puisse vous indiquer... Vous renseigner où est le mausolée de Tipu Sultan. D'Haider Ali et de Tipu. Alors, le mausolée d'Haider Ali et de Tipu, et il doit y avoir du sable à côté, et dans le sable, vous devez trouver l'effigie. Vous n'avez pas une description du mausolée? Du Tipu Sultan. Un monument important, imposant. C'est un Le mausolée serait un ravissant et fragile bijou d'art persan enluminé. Philippe? Oui, je vous écoute. Vous entendez? Et enluminé, où deux grandes peintures relatent des batailles que son père livra aux Anglais. Oui, ça, il ne peut pas le voir encore. Non, alors, mais enfin... Vous êtes loin du temple? Non, j'y arrive maintenant. C'est pas un temple, hein? Oui, enfin, de la sépulture. Un mausolée. C'est pas un temple, hein? Oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de monuments dans cette région, donc il ne faut pas qu'il dirige vers un temple. Dites-moi, redites-moi exactement ce que je cherche. Alors vous cherchez... Pierre-Alain, allez-y. Alors, vous cherchez une sépulture... Où il doit y avoir probablement deux tombes. Celle de l'épouse du Tipu Sultan. Au moins deux tombes. Au moins deux tombes. Il doit y avoir encore celle de son père aussi. Donc il doit y avoir plusieurs tombes. Tipu's tombe. Et à côté de la tombe de l'épouse. Very quickly. Sorry. I can't. Very quickly. Can you help me? Can you, Philippe? Oui, oui. Carlin, les yeux rivés sur le chronomètre. 2 minutes, mais vous avez trouvé quelqu'un qui vous guide? Oui, j'ai quelqu'un, mais il faut que j'enlève mes chaussures. Non, ça fait rien, Continuez, essayez de trouver une description précise. En deux minutes, il y est, là. Allons, ne vous découragez pas. Alors, une effigie dans le sable, Philippe. Mais attendez qu'il ait trouvé exactement l'emplacement de la tombe. Écoutez, j'ai marqué, il y a 3 tombes ici. Voilà, ça il y en a une, il y a marqué. Mazar au Tipu Sultan. C'est parfait. Mazar au Tipu Sultan. Is Tipu Sultan? Alors il faut l'épouse de Tipu Sultan. Where is his wife? Where is wife of Tipu Sultan? Non, non, elle est enfouie dans le sable. Oui. Simplement, non loin. Donc non loin de l'épouse. Please. Voilà. Where? Tipu Sultan, ouais. J'ai la tombe de la femme de Tipu Sultan.
Alors, non loin enfoui dans le sable, l'effigie de Tipu Sultan. L'effigie. Oui, moins de 50 secondes. Grattez le sable. J'ai une autre tombe à côté. Il y a du sable. Oh là là. 45 secondes. J'ai revu le sable. À côté de l'épouse, vous devez trouver l'effigie dans le sable. À côté de l'épouse. Dans le sable et cacher l'effigie de Tipu Sultan. À côté de sa tombe. Stop. Ah stop. J'ai une effigie que j'ai trouvée dans le sable, dans le sable d'une tombe, à côté. Et maintenant, je voudrais vous le dire, je ne vous ai pas, j'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure, mais je suis rentré dans le temple à cloche-pied, parce que je n'ai pas eu le temps d'enlever l'autre chaussure. J'ai voulu me faire porter, et finalement j'ai enlevé une seule chaussure et je suis rentré à cloche-pied. Bon. Assez comique. Deuxième trésor trouvé à moins de 33 secondes de la fin. Du temps qui nous était imparti, Marie-Thérèse Cuny, on s'est un petit peu perdu. Les candidats sont un petit peu perdus, c'est vrai. C'est un petit peu dommage parce que l'histoire de Tipu Sultan et de son père, le grand chef guerrier Haïder Ali, est quelque chose de très très important. Tipu était un garçon qui à l'époque a été, c'est une anecdote en passant, comme dirait quelqu'un que je connais, mais en 1771, il a été littéralement fouetté par son père Haïder Ali, grand chef guerrier, sur la place publique pour cause de lâcheté. C'était quand même quelque chose d'énorme. Et pourtant, il est devenu par la suite le plus grand chef de guerre que son pays ait connu, puisqu'il a lutté contre les Anglais pendant 30 ans, et avec un acharnement vraiment monstrueux. Il a fait bataille sur bataille, perdu, gagné, signé des traités, recommencé. Il a demandé l'aide des Français, il ne l'a pas eu, parce qu'entre-temps, Louis XVI avait eu des ennuis. Bonaparte, à ce moment-là, était quelque peu déprimé du côté d'Aboukir. On n'a pas voulu l'aider. Finalement, il s'est fait coincer par les Anglais et il est mort au combat. Pour quelqu'un qui avait été fouetté en place publique pour l'acheter, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et alors, il a donc été enterré, parce que les Anglais ont estimé qu'il méritait cela, pour grand courage, dans le mausolée de son père, Haïder Ali, qu'il avait lui-même fait construire en mémoire de son père, donc. Et c'est là que vous êtes arrivés pour trouver le père, Haïder Ali, le fils, Tipu Sultan, et la mère et la femme, enfin toute la lignée qui est enterrée là. Voilà. Je crois que je vais vous laisser quand même lire la troisième énigme, puisqu'il vous reste 33 secondes. C'était le cas. Oui, Philippe. Les gens qui sont autour de moi et qui m'ont vu trouver donc l'effigie dans le sable me demandent de leur rendre. Ils pensent que c'est à eux. À qui appartient ce trésor, alors? Ok. On l'a trouvé, hein? Ok. Ne l'emporchez pas. Non, ça y est. Bon, Philippe, presque symboliquement, mais en tout cas, nous allons repartir. C'est le jeu. Hein. Je vous rappelle que vous avez déjà deux primes. 1600 francs pour la deuxième énigme, plus 800 francs suisses. Cela fait 2400 francs suisses. Voici la troisième énigme. Philippe, attention au chronomètre. Oui, le chronomètre. Eh bien, on repart. Hein, c'est le jeu. Vous êtes prêts? D'accord. Vous êtes prêts? Quelques secondes. Écoutez, Philippe, si vous trouvez la troisième énigme, le troisième trésor en 33 secondes... Vous êtes fort, hein? Vous aurez le champagne. Allez. Ouais, alors là... Attention, c'est parti, top chronomètre. Ah, moi, je le tiens bien en route, ça fait rien. Nous la lisons. Sur le char que tirent 1000 bras, à 500 mètres du lieu où je suis tombé, Krishna et sa flûte gardent mon poignard. Alors, il est tombé à Seringapatana. Alors, Pierre-Alain et Madeleine savent où il est tombé. Un petit peu plus au nord. C'est à Seringapatana, cette fameuse ville là dans le delta. Et il doit y avoir un... 500 mètres du lieu où je suis tombé. Une statue monumentale. Eh oui. Pierre-Alain et Madeleine, vous saviez à peu près... Voilà. Enfin, on va vérifier on va parce qu'on n'en est pas sûr. Vous saviez à peu près l'endroit où était tombé car vous l'aviez lu dans On l'a lu. Tipu Sultan. Marie-Thérèse Cuny, est-ce qu'on a le temps d'aller voir ce trésor? Vous avez parfaitement le temps, nous le verrons après le générique. Vous connaissez la direction, donc Philippe y est parti. Voilà. Alors Philippe, on vous a indiqué la direction. Vous pouvez me la redire, s'il vous plaît? Vous prenez la direction donc de Seringapatana ou Seringapatana selon les cartes, oui. Mais je crois que sur la vôtre c'est Seringapatana. Donc au nord de Gumbaz, au nord. Combien? Oui. 3 km. Je vais vous raconter une petite histoire, si les téléspectateurs le souhaitent peut-être, puisque vous n'avez pas trouvé la troisième énigme, si vous permettez. Allez-y. Un tout petit mot encore sur ce fameux Tipu Sultan, qui était vraiment un sultan extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce que son père l'a fait en public qu'il est devenu aussi féroce, mais
Il avait comme jouet favori une petite marionnette qui était animée, qui était quelque chose d'un bijou extraordinaire, qui représentait un tigre en train de déchirer littéralement un soldat anglais en tunique rouge. Et lorsque les Anglais ont pillé son palais, ils ont également porté cette petite marionnette qui se trouve actuellement au Victoria Museum de Londres, que les Anglais regardent toujours avec amusement. Mais ce que nous allons voir tout à l'heure, maintenant, à Srirangapatana, ou Patnam, c'est le port du Seigneur du Monde. Alors c'est une ancienne cité qui a été dédiée à Vishnu. Et c'est là donc que Tipu Sultan est tombé devant les Anglais. Alors pour comprendre l'existence du char que tire mille bras dont on vous parle dans cette énigme, il faut savoir que Haïder Ali était donc un sultan musulman. Quand il a pris le pouvoir, il a quand même décidé de respecter les hindous. Et donc, pour leur rendre hommage, il a fait construire un char énorme, que nous verrons tout à l'heure, que chaque année, mille bras devaient tirer. Et ce char est orné de plusieurs statuettes, donc de petits Vishnu sculptés. Vous le verrez, c'est très très joli. Voilà, je vous abandonne, je vous laisse à votre morosité de n'avoir pas trouvé le troisième. Pas de morosité, deux énigmes, deux trésors trouvés. Hein. Pierre-Alain et Madeleine, 8900 francs. Suisse pour la troisième énigme, vous ne les aurez pas malheureusement. Vous repartez avec les deux primes, au total 2400 francs suisses. Bravo tout de même, c'était le jeu. Hein. C'était le jeu, vous avez découvert un petit peu de l'histoire de l'Inde. Et merci à Philippe encore. Oui, merci à Philippe, il s'est très très bien débrouillé. Voilà, nous allons retrouver Philippe et les images donc de Srirangapatna après ce générique. Merci à tous, au revoir et rendez-vous pour la prochaine chasse au trésor. Srirangapatna que Jean-Yves est en train de filmer, et là je viens d'apercevoir